Assurance chômage, le gouvernement envoie aux partenaires sociaux le cadre des négociations. Ça commence mal, hein, parce que quand on t'envoie un cadre des négociations, c'est qu'on va te dire ça tu peux faire, ça tu peux dire, ça non, ça oui. Bon, ça c'est la négociation de la Macronie. Hein. Lors de la négociation prévue mi-novembre, les syndicats ne pourront pas remettre en cause le mode de calcul de l'indemnisation chômage et la modulation des règles d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique. Les syndicats ont donc reçu une lettre de cadrage sur l'assurance chômage afin de ne pas dépasser de ce cadre. Tiens, fais un petit coloriage, mais attention, tu vas utiliser ces couleurs-là et si tu dépasses, eh bien je te donne pas de nouvelles feuilles. Patronat et syndicats devront tenter de s'accorder sur ce dossier épineux d'ici le 15 novembre. C'est pas nouveau, Macron n'a toujours pas de majorité, donc à votre avis, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Vous n'avez pas deviné? Son arme de destruction démocratique, le fameux 49-3. Voici ce que dit France Info, l'absence de majorité absolue au Parlement ne lui garantit pas l'adoption des textes clés de la rentrée, dont le budget 2024 ou la réforme de l'immigration. Et voici ce que dit Macron, « Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages, j'utiliserai ce que la Constitution me permet de faire. » Ce qui veut donc dire qu'il va utiliser le 49-3.